Aïe, mes bébés, je suis trop triste. Ça y est, Anissa, elle rentre. Elle reprend le travail. J'ai pleuré. 2 semaines et demie. Mais bon, c'est pas grave, elle fait le travail. Et après, elle vient. Okay. Bon, les filles, là, je vais sécher mes cheveux. Et après, je vais passer une douceur. Regardez comment ils se démêlent facilement. Il faut bien, bien les sécher. Les filles, donc le soin, il n'est pas encore fini. Et plus brillant, mais regardez, juste en les ayant séchés encore. Hein. Et là, les filles, je vais bien séparer mes... Et je vais faire le lisseur, les filles, mes cheveux. Vous avez vu là, rien qu'en les ayant séchés, comment ils sont brillants. Là, avec le lisseur, là, je vais... Et les filles, je vais vous donner une astuce pour avoir vraiment, vous voyez, regardez le profil, une jawline parfaite. Je vous explique, les filles. Moi, je m'y connais en chirurgie esthétique. Avant, je faisais les injections de jawline. J'ai tout enlevé. J'ai fait des injections de remover. Ça m'a tout enlevé. Là, vous voyez, c'est que mon os. J'ai plus d'injections. Voilà, les filles. Moi, je vous donne des conseils que j'aurais aimé qu'on me donne. Les filles, ne faites pas les injections d'acide hyaluronique. Ici, faites pas d'injection, les filles, c'est une catastrophe. Après, ça migre, ça fait des boules. En plus, c'est pas vrai, la jawline après, elle est pas parfaite, les filles. Moi, j'en ai fait dans ma vie. J'ai regretté. Regardez sur internet, regardez les photos d'avant de moi quand j'avais des injections de partout. Je ressemblais à rien, les filles. Je ressemblais à Bogdanov, vraiment, vraiment. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir retourner en arrière. Et de pouvoir avoir tout enlevé sur le visage. Il me reste que les injections. J'ai que des injections dans les lèvres, les filles. Vous voyez, j'ai retrouvé mon visage d'avant. Et j'ai une astuce que je fais. Et ça marche trop bien. C'est une astuce naturelle. En fait, c'est des massages avec une gua sha. Ok, vous prenez... C'est mieux de prendre un sérum. Hein, vous en mettez sur votre double menton. Je vous montre déjà bien mon profil. Vous voyez, j'ai pas de double menton, ok? Et ça, c'est une astuce naturelle, les filles. Et après, avec la gua sha, vous allez venir faire... Et il y a sur YouTube, c'est les Coréennes qui font ça, sur YouTube, il y a plein de techniques. Vous voyez les tutos sur YouTube. Et là, allez, 2 minutes par jour, tous les 3 jours. Bien, allez, tout rien. S'il vous plaît, faites pas d'injection. Regardez, remontez. Puisque regardez ce qu'elle a, et après... Pas d'âge, les pommettes et tout, c'est trop moche, les filles. Bon, les filles, je continue moi mes massages de gua sha. Et là, il y a l'avocat qui arrive, les filles. Donc pour le problème que j'ai, je vais vous raconter, parce que franchement, ce qui m'arrive, c'est trop grave, c'est une injustice. Et le truc, c'est que les filles, c'est là, c'est des gens très puissants là qui se mettent contre moi. Vous allez voir ce que j'ai eu, je vais tout vous raconter. C'est vraiment une injustice. Maintenant, les filles, vous le savez, je suis... Les filles, vous m'avez tous demandé un code pour mon... Bon, allez, j'attends l'avocat, là, il est en route, les filles. Ça me prend du temps, donc je vais un peu couper les réseaux, parce qu'on doit parler de plein de choses, les filles. J'ai plein de choses à gérer avec lui. En vrai, j'hésite pour ma vidéo YouTube. Je sais pas, dites-moi si c'est une bonne idée ou pas.
les filles, mon avocat, il arrive là. Vous savez que c'est, je l'ai jamais vu, mon avocat. Là, je vais manger, du coup. Moi, j'en ai rien à cirer, les filles. J'accueille l'avocat chez moi, en pyjama, robe de chambre. Moi, j'aime, j'ai plein de robes de chambre comme ça, donc de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Mes préférées, c'est les très courtes. Voilà, mais moi, je vais l'accueillir comme ça, en pyjama à la maison. Hein. Pyjama, c'est pour ça que j'aime trop acheter des pyjamas. Marseille, moi, ça me dérange pas de sortir. Et d'ailleurs, je suis déjà sortie même à la banque à Dubaï en pyjama, même faire les courses en pyjama. Moi, ça me dérange. Les quartiers nord de Marseille, ou je sais pas, c'est pourquoi, mais moi, je m'en fous. Blazer pour voir mon avocat, de toute façon. Oh. On va tous se les faire ou pas? Voilà. Je l'attends. En attendant, je vais manger. J'ai rien mangé encore aujourd'hui, les filles. Bon, les filles, je vais manger. Ma mère, elle a fait un rôti avec haricots et pommes de terre. Moi, j'aime quand c'est saignant. Morceau du milieu. Et ça, les filles, parce que j'ai eu. J'ai faim, les filles. Ça, je crois que. Ben... Alors, j'ai arrêté la rissa, les filles. Parce qu'avant, je mangeais beaucoup d'arissa. Je crois que ben, j'ai des hémorroïdes, ça m'a traumatisée. Ça me manque, j'en mange très très peu de temps en temps. Oh, merci, du pain. Tu peux me passer une autre? Moi, je crains si je sers avec une fourchette, j'arrive pas à manger avec. Merci. Les haricots. Ça tombe plutôt. Le rôti, la mayo. Voilà. Trop trop bon le fait. 5 fruits et légumes par jour aussi, les filles. C'est tout, ça ne dit rien en plus. Ça manque un petit peu d'harissa. On ira manger aujourd'hui. Les filles, mon premier repas. Vu que le boycott qu'on fait pour la Palestine, ça marche. Il faut continuer à boycotter. Ça marche, vous avez vu les actions de McDonald's, de Starbucks et tout. C'est en chute libre. Sauf que les musulmans. On est là, nous, hein. Je suis trop contente que ça marche, le boycott. Vous avez vu les communiqués qu'ils ont fait, McDo et filles. Ah, leurs actions, elles ont bien baissé. Faut pas baisser les bras. Ils veulent envoyer les Palestiniens au Congo. Mais c'est leur terre. C'est leur terre. Déjà, il y a déjà un génocide, peu cher au Congo. Ah, c'est trop grave ce qui se passe. Trop grave, les filles. Avec mes prises de position, comme j'ai de la puissance sur les réseaux sociaux, on veut me faire des dingueries. Je vais balancer ce qu'on m'a fait. Je me régale. Ouais, c'est une chips. Et moi, ce qui me fait trop rire, parce que vous savez, il y a des gens qui sont puissants. Ils sont pas puissants, ces gens-là. Ils ont des travails où ils sont puissants dans leur travail. Même ces gens-là, ils seront jamais plus puissants que Dieu. Ils sont bêtes. Ils sont bêtes. Alors, parce qu'ils ont un travail où ils sont puissants grâce à leur travail, hein. Ils sont pas du tout puissants, il n'y a que le bon Dieu qui est puissant. Ils se permettent des choses. Parce que tu défends la bonne cause. Ils pensent qu'en faisant ça, je ferme ma gueule. En fait, ils font tout pour que je ferme ma gueule. Il faut me tuer pour que je la ferme. Il faut me tuer. Et pour m'abattre, des fois, ça va me toucher. Hein. Regardez, comme ces derniers jours, j'étais pas bien et tout. Mais croyez-moi, ça, au contraire, ça me rend plus forte. Santé. Et tant que j'ai Dieu avec moi, je me relèverai toujours. Eh oui. Il n'y a que la mort qui m'éteindra. Mais j'ai la foi. En premier, j'ai Dieu avec moi. Et après, j'ai mes bébés. Mais pas. Ah. Faut que je sois 6 pieds sous terre pour qu'on m'éteigne. Continuez, bon, ma gouille. Les gens là qui font tout en traitement, en attendant, je crois que j'ai voulu faire quelque chose à quelqu'un.
Je l'ai fait en passe. Il faut que tout se réalise. Vous. Tout par derrière. Mais je vais vous montrer. Et attention, je vois tout. Je mets tout devant les yeux. Trop facile. Alors parce que tu as la foi, tu es radicalisé. C'est vraiment des fous les gens. Et j'ai pas le droit de dire sur les réseaux maintenant que je suis croyante. Et là, je vois. L'apologie de l'islam. Je raconte ma quête personnelle et on peut croire que je fais la promotion pour l'islam. C'était malade. C'était fou. C'était fou. J'ai pas le droit. Par contre, quand c'est des autres qui racontent, ils ont le droit, les autres religions, qui racontent leur quête personnelle comme moi je fais, on va pas leur dire que tu fais l'apologie du christianisme ou d'autres religions. Non, ça c'est parce que je suis une arabe et que je suis musulmane, ça plaît pas. Et que j'ai de la puissance grâce à mes bébés. Que j'ai de la force. Ils ont le seum comme ça. Comme ça. Chaque tigre fait plus puissant. Plus puissant que Dieu. Pris dans ma vie. Je me régale. Le chien qui chante. Je te coupe la viande. Je coupe. Là. 3. Placer la pierre gauche. La naissance du nez. Hein? Ça y est, les filles, l'avocat, il est là. Oh, je vais l'accueillir comme ça. Et c'est la première fois que je le vois. Rendez-vous. Ah, il est là. Bon, les filles, ça y est, j'ai fini mon rendez-vous avec mon avocat. Alors, ça s'est super bien passé. Là, en fait, je vais vous expliquer ce qui m'arrive, mais je vais le faire sur YouTube. Donc, là, je vais tourner maintenant ma vidéo YouTube. Comme ça, je vais l'envoyer au monteur. Et je la posterai demain à 18h, les filles. Je vais vous expliquer parce que c'est vraiment une injustice. Et il m'arrive tout ça. Moi, je pense vraiment qu'il m'arrive tout ça à cause de mes prises de position, vous allez comprendre. Du coup, demain à 18h sur YouTube. Et je fais pas ça pour faire du suspense ou quoi. C'est vraiment parce que les filles, je vous explique. Hier, Elidja, elle est venue à la maison, elle devait arranger mes filles déjà depuis hier. Et hier, ben, il se passe un truc et j'étais vraiment vraiment pas bien. Bref, et du coup, ben, elle m'a pas arrangé mes cils et mon petit bébé, elle est revenue. Vous les arranger parce que là c'est vraiment une catastrophe. Ça, elle est trop trop belle. Aïe, franchement, j'aime trop regarder. J'aime trop les trop fortes. Moi, il n'y a que Elidja qui me fait les cils. Les filles, je suis au lit. Ah là, je suis bien. Mes cheveux, ils sont faits. Mes cils aussi. Bref, ça me fait bizarre de pas dormir avec Anissa. Également que je me suis trop habituée à elle. Je mange mon yaourt préféré, les petites mamies. C'est trop trop bon. En fait, le gâteau d'en dessous, je le mange pas en entier, je mange moins de la moitié. En fait, c'est le dessus qui est trop bon. Tous les soirs, je mange ça. Presque tous partis. Ils mettent dans leur story. Les filles, je suis en train de préparer le concours. Coucou les filles, j'espère que ça va. Écoutez-moi, ça va. Alors, je me suis levée. Je suis fière de moi parce que j'ai pris un bon rythme.
Les filles, je me suis levée tôt et j'ai fait tous mes rendez-vous téléphoniques. J'avais des rendez-vous téléphoniques par rapport aux problèmes que j'ai. J'ai appelé des banques et tout, mais là, le lundi, les banques, elles sont fermées. Je suis en train de gérer le concours et tout ça parce que c'est aujourd'hui le résultat du concours, les filles. Et que je suis coiffée. En fait, à chaque fois que je fais mon soin Botox, quand je me lève, regardez, je suis coiffée. Quand je m'endors, je suis coiffée. J'ai jamais compris. Mais regardez, avec le soin que j'ai fait hier, les filles, je les démêle. Je suis coiffée. C'est une dinguerie. Même pas besoin de faire le lisseur ou quoi aujourd'hui. Bref, les filles, là, j'ai du ménage à faire. Donc, je vais changer les draps et tout dans ma chambre. J'ai encore des machines, j'en peux plus. En fait, j'aime bien m'occuper des machines parce que moi, j'arrive à faire sentir le linge bon. Mais du coup, j'en fais tous les trois jours. Hein. Là, il y a beaucoup de linge en retard. Ah, j'ai du retard de linge aussi parce que, ben, comme j'ai reçu du linge, ben, il y a du linge que je dois laver. Hop là. En tout cas, je suis contente, les filles. Regardez, je me réveille avec mon soin Botox. Je suis coiffée. Mes cheveux sentent trop bon. Ils sentent la mangue. La mangue. Et regardez. Donc déjà, les filles. Je vais enlever les draps, les filles. Alors, je change tout. Après, je fais machine à laver. Ben, elle a l'air mieux. Vous savez pourquoi? Parce que je l'ai eu au téléphone. On a fait un rendez-vous téléphonique et tout. Et là, j'ai rendez-vous cet après-midi. C'est pas la même que la dernière fois. Et je sais pas, celle-là, je l'ai sentie. Parce que c'est important, les filles, d'avoir un bon contact avec une psy. Parce que tu lui racontes ta vie quand même. Hein. Des boutons. Voilà, j'ai enlevé tous les draps. Imen, c'est mon préféré de chez eux. Alors ça, les filles, c'est ma technique. J'ai tout ici en bas et après je les récupère. Bon, les filles, je vais faire ma lessive là. Là, c'est de la couleur. Moi, je vous explique comment je fais, les filles. Genre, la couleur, quand c'est pas du linge sale, pas taché et tout, c'est du blanc. Je fais pas une lessive, je fais pas une machine genre hyper longue et à 90 degrés. Ça, je le lave à 40 degrés. Je fais une machine entre 45 minutes et 1 heure. À 40 degrés, c'est suffisant. Mais par exemple, pour mon linge blanc, les serviettes et tout, et ben je fais à 90 degrés et je le fais pendant 2h30 à peu près. Je mets de la javel et tout, comme ça blanchit bien le linge. Et ça nettoie bien, vous voyez, les serviettes, le blanc, tout ça. Ma senteur préférée, c'est la gemme. Genre, c'est des dupes de parfums de grandes marques. Il y a un adoucissant dedans. Donc, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Et après, votre linge, il sent trop bon, les filles. Vraiment. Les filles, ça, c'est la lessive que j'utilise. Donc, c'est la gemme. Du coup, il y a un adoucissant à l'intérieur. Ça sent trop bon. La cornaline, c'est trop, trop bien. Dans le bac à souffler. Et au fait, ma machine à laver, c'est la AR. Elle est trop, trop bien, les filles. Je vais vous la faire gagner. Tant.